Je suis un président normal. Pour repérer le trajet, je suis allé à l'Elysée en métro avec ma compagne Valérie. Je lui ai dit, le changement c'est maintenant. Elle m'a dit non, c'est dans 2 stations. C'est con. Que de chemin parcouru pour en arriver là, voici mon journal de bord. 2 mai, Angela Merkel a dit, le débat présidentiel en France a fait 18 millions de spectateurs, comme intouchable. Ah, décidément, les handicapés. 3 mai, la campagne a pris un tournant décisif. Jacques Cheminade a appelé ses électeurs à voter pour moi. Il a passé 2 coups de fil. 4 mai, j'ai perdu 30 kilos pendant la campagne. Martine Aubry m'a appelé pour me dire qu'elle les avait retrouvés. Dimanche 6 mai, 18h, je viens d'apprendre que Magloire a rejoint l'UMP depuis qu'il a appris que la fête autour de l'obélisque place de la Concorde, les militants pouvaient s'asseoir dessus. Mai, 7 mai, avant de m'installer à... Il est troublé. Avant de m'installer à l'Elysée, je prends les premières mesures pour voir si mon canapé d'angle passe par la porte du salon. 8 mai, je viens d'apprendre que la France va devenir comme la Grèce. Super, on va avoir du soleil toute l'année. 9 mai, comme Nicolas Sarkozy, après l'élection, je suis allé me reposer sur un bateau et pour faire des économies, je l'ai gonflé moi-même. Pour rembourser la dette, tout le monde doit s'y mettre. Moi, président de la République, j'ai organisé l'Elysée le jeudi. Parce que jeudi, il y a 20% sur les marques repères chez Leclerc. 10 mai, Barack Obama a dit qu'il était favorable au mariage homosexuel. Je l'ai appelé pour lui faire une blague. Alors, ça se passe comme ça chez McDonald's? J'ai aussi fait une blague à Vladimir Poutine. Je lui ai dit que j'étais le premier président à lunettes. Et comme on dit, président à lunettes, président A... Non, président lunette, président honnête, c'est sérieux comme métier! !13 mai, pour la passation de pouvoir, comme c'est DSK qui devait être à ma place, je l'ai invité, il n'a pas voulu venir. Il m'a dit qu'il avait rien à se mettre. 14 mai, pendant la campagne, ma compagne a été comparée à un Rottweiler. Ça l'a mis en colère. Elle m'a bouffé tout le canapé. 1000 000 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